Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et actuellement je suis dans un lieu mythique, un lieu qui parlera certainement à beaucoup, ici au Cameroun bien sûr. Je vais vous donner les indices pour que vous puissiez trouver. C'est un lieu où on se rend lorsqu'on souhaite immigrer en Occident, par exemple en France, et qui se trouve au centre-ville, à côté de Skor. Skor, c'est une grande surface où on distribue à peu près tout. Donc, c'est à côté, sur la même ligne. Roulement de tambour, dites-moi déjà dans les commentaires si vous avez trouvé. Laisse voir également un autre fond pour les habitués. Vous l'aurez compris, je suis actuellement à l'Institut français de Yaoundé. Donc l'Institut français, en fait, c'est un lieu qui regroupe plusieurs services, en fait, relatifs à tout ce qui est immigration, il faut le dire. Donc c'est une représentation qui sert un peu de passerelle pour les personnes qui souhaitent se rendre en Occident. Par exemple, vous souhaitez aller en France et vous y allez comme étudiant, il faut dire que vous allez passer par le service Campus France, parce que Campus France est à l'intérieur. Et Campus France ici, quand vous allez par exemple pour des études, vous, quelle que soit votre option, vous passez par Campus France. Maintenant, vous pouvez faire fi de cela dans le sens où, en fait, si vous avez déjà trouvé une école qui est partenaire peut-être avec votre école actuellement, qui fait le nécessaire, qui vous envoie les papiers, par exemple votre attestation d'accueil, comme quoi en fait c'est tout bon, on vous attend. Mais à Campus France, en fait, ce n'est qu'une formalité. Donc vous venez juste faire un dossier, un mot de formalité. L'entretien, c'est qu'une formalité. Or, il y a d'autres personnes qui passent d'abord par Campus France pour trouver leur école, pour trouver en fait une université en fait qui pourra les accueillir. Donc il y a tous ces services là également. Quand vous êtes à l'Institut français, vous avez tout ce qui est bibliothèque, il faut le dire. Donc bibliothèque, forcément ça m'intéresse parce que récemment auteur, pour les personnes qui me suivent savent que je suis récemment auteur du livre Vivre et réussir en France. Un livre qui vous permet en fait de bien vous intégrer une fois que vous arrivez sur place. Un livre également qui vous permet d'investir sereinement une fois que vous y êtes, de sécuriser votre avenir et surtout celui de vos proches. Un livre qui vous donne en fait les clés pour une transmission bien faite et qui vous permet à votre tour d'avoir cette sécurité, cette autonomie financière dont beaucoup courent après toute leur vie, souvent sans pouvoir atteindre. Donc le livre, il est juste là. Je vous le montre, il est juste là. Je l'ai là. Vivre et réussir en France. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je vais mettre le lien pour le commander dans le descriptif de la vidéo. Pour des personnes qui me découvrent déjà dans cette vidéo, je suis Chélène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse en France et récemment de retour en Afrique, au Cameroun, pour m'installer. Et donc, je partage au quotidien des astuces, des techniques pour avoir certaine autonomie financière, surtout pour trouver sa définition du bonheur. Parce qu'à la fin de la journée, l'idée, c'est qu'on soit heureux. Donc après cette parenthèse-là, revenons à notre sujet. Donc je disais tantôt que lorsque vous êtes à l'Institut français, vous avez plusieurs services. Il y a le service, par exemple, bibliothèque. Vous pouvez y aller pour vous ressourcer, pour lire des livres. Et bientôt, c'est un livre que je souhaite effectivement que ce soit référencé ici pour des personnes qui souhaitent immigrer en France, vu que ça concerne principalement ces personnes-là, pour qu'elles aient déjà ces outils-là. Parce que quand vous arrivez quelque part, vous devez avoir les cartes. Quand vous partez, il faut déjà être préparé. Il faut déjà savoir où vous allez trouver certaines informations. Parce que le problème de beaucoup, c'est qu'on apprend sur le tas et ça coûte cher. Ça coûte cher. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie. Quand vous vous retrouvez comme moi à être arrivé, à découvrir tout. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai été SDF. La personne chez qui j'ai réservé le logement a disparu avec les sous. Donc, j'ai commencé en fait mon parcours en France dans la rue. C'était pas très agréable pour vous dire. Et j'ai vraiment appris sur le tas.
Et l'idée aujourd'hui, c'est pas que vous fassiez les mêmes erreurs. C'est pour cela, en fait, que des livres comme celui que je vous ai présenté existent. Pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, que vous ne tombiez pas dans les mêmes pièges, pour que vous ayez des outils. Parce que c'est le plus difficile, que vous ayez en fait un parcours qui puisse vous inspirer. Ça, malheureusement, c'est le malheur de beaucoup. Lorsqu'il y a même ces outils-là, ne prennent pas la peine en fait d'en prendre connaissance. Et ça, c'est bien dommage. Parce que ça vous permet vraiment, vraiment de gagner des années en termes d'expérience, le parcours des autres. Et comme je disais tantôt, vous avez une bibliothèque là qui vous permet justement d'avoir accès à tous ces bouquins-là. Ces bouquins qui transforment des vies. Donc, chers résilients, réconciliez-vous avec la lecture. C'est vraiment un moyen d'aller très vite, très très vite. Et des livres, vous en avez quand vous lisez, qui changent votre vision du monde, qui vous permettent de vraiment level up. Vraiment, ne restez plus en mode dans votre coin, vous êtes là, on ne sait pas trop où vous allez, ce que vous faites, vous êtes en mode survivant. Non, il faut vivre, il faut arrêter de survivre. Et ça va vous permettre également, parce qu'il y a beaucoup en fait qui sont dans une quête perpétuelle d'argent. D'accord, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place? Quel est le processus que vous avez entamé? Et au terme de ce processus, chemin faisant, vous aurez en fait des fruits qui vous permettront en fait d'avoir une certaine qualité de vie. Le problème, c'est que beaucoup se lancent dans cette quête-là pour de l'argent, l'argent uniquement. Non, quand vous cherchez l'argent pour l'argent, vous ne l'obtiendrez pas. Vous n'aurez pas cet argent-là parce que vous devez apporter de la valeur. Il faudrait que ce soit en fait une obsession pour vous, apporter de la valeur aux autres. Parce que si vous ne prenez pas le temps d'apporter cette valeur-là aux autres, je vous assure que cet argent-là, vous pouvez chercher toute votre vie et vous n'aurez rien du tout. Parce que c'est en termes de valeur. Quand vous apportez de la valeur à quelqu'un, la personne apprécie cela et en retour, en fait, est capable de vous payer votre service. Dites-moi, vous pensez que si vous aviez la solution à une maladie, disons que vous savez comment en fait soigner le diabète en une soirée. Attends, chers résilients, dites-moi un peu, vous pensez que vous allez voir toutes ces personnes-là qui ont ce souci-là de santé. Même si vous mettez le médicament à combien, ils vont payer. Et pourquoi ils payeront? Parce que vous leur apportez une valeur, parce que vous leur permettez en fait de retrouver la santé. Donc ça doit être cette obsession-là. Quand vous arrivez quelque part, vous vous dites quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent. Comment je peux être le solutionneur de ces problèmes-là, de ces difficultés-là? Et à chaque fois que vous allez vous positionner comme solutionneur, comme apporteur de solutions, je vous assure que vous verrez par vous-même les résultats. Vous verrez que l'argent viendra seul. Vous ne serez plus en train de courir. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils donneront quand ils auront. Mais pourtant, il faut d'abord donner avant de recevoir. Ce n'est pas possible de recevoir sans donner. Ça, c'est le comble, c'est le malheur de beaucoup. En se disant que moi, je n'ai rien. Je n'ai rien à offrir. Mais si vous cherchez bien, vous avez toujours quelque chose à offrir. Et le problème, c'est que les gens ne prennent pas le temps de faire une introspection pour savoir qu'est-ce que j'ai comme talent? Qu'est-ce que je peux offrir à mon prochain? Comment je peux faire pour changer la vie d'une personne, de deux personnes? Qu'est-ce que je peux faire? Et sincèrement, quand vous vous posez cette question, la chère résilient, les réponses affluent. Parce que vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais vous avez le temps, qui est une ressource la plus précieuse que vous puissiez avoir. Et quand vous mettez votre temps à disposition, vous allez récolter l'expérience, la compétence. Or, beaucoup vont vous dire que oui, je cherche le travail, je ne trouve pas. Mais toi, tu es là parce que tu as le bac, parce que tu as une licence. Tu penses qu'on va te donner un travail comme ça. Cherche l'expérience, cherche la compétence. Et ça s'acquiert quand on se rend disponible. Va faire du bénévolat. Parce que les gens vont te dire que je ne trouve pas le travail. Il y a le travail dehors. Maintenant, la question, c'est que vous voulez les boulots qui sont payés 500 000 francs CFA. Or, vous sortez d'école, vous avez une licence, vous avez un master, vous voulez qu'on vous paye 1 million de francs CFA parce que vous avez un master. Mais qu'est-ce que vous apportez comme valeur concrètement? Et ça, c'est le problème de beaucoup. Ne soyez pas en mode diplôme, vous restez focalisé dessus. Et c'est grave. Quand vous voyez un médecin qui chôme, c'est grave. Ça veut dire que lui, avec son doctorat, Bac plus 7, n'a pas pu trouver une solution pour manger. C'est chaud, c'est chaud.
Donc, dans un tel environnement, il faut apporter de la valeur parce que c'est comme cela que, chemin faisant, vous aurez votre pain. Et toutes ces personnes-là qui chôment, le pire, c'est que c'est des personnes qui sont intelligentes, c'est des personnes qui ont un bagage, mais sauf que ne voulant pas commencer petit. Il faut le dire, on commence très souvent petit, pour ne pas dire à 100%, à tous les coups, on commence petit. Il peut y avoir des exceptions, des personnes qui naissent dans des familles plutôt bien loties, mais c'est souvent rare. La plupart du temps, il faut mouiller le maillot et il faut accepter de commencer petit. Ça, c'est le comble de beaucoup. Donc, quoi que vous fassiez, chers résilients, gardez à l'esprit que c'est un processus. C'est-à-dire que c'est marche après marche. Il n'y a pas d'ascenseur. Il faut prendre les escaliers. Donc, voilà pour cette petite capsule inspirée par cet endroit où je me trouve là pour cette démarche par rapport au livre. Et donc, dites-moi ce que vous pensez déjà de ce lieu-là. Est-ce que vous l'avez déjà visité? Vous voyez tout ce qu'il y a comme design, décoration. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a du monde qui passe ici. C'est lorsque vous êtes dans des lieux comme ça que vous vous rendez compte que beaucoup de personnes aspirent à voyager. Et c'est bien. C'est bien de sortir un peu. C'est bien parce que ça ouvre l'esprit. Il y a des personnes qui sont nées 50 ans, sont toujours dans le même quartier, le même village. Non, vous devez sortir parce que quand vous voyagez, ça vous ouvre l'esprit. Il faut voyager. Et quand je dis voyager, il faut le faire dans les règles de l'art. Il faut aller régulièrement parce que le problème, c'est que beaucoup passent par des voies qui sont au péril de leur vie. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens pour arriver à ce résultat-là. Donc, quand vous avez cette possibilité-là, voyagez. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes dans quel pays actuellement? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a marqué de ce pays-là? Est-ce que vous allez y rester longtemps? Dites-le dans les commentaires. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager. Partagez cette vidéo. Ça va inspirer quelqu'un autour de vous. Vos amis, la famille, ça inspirera forcément quelqu'un. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.